Bonjour les apprenants, je m'appelle Madame Tsotolo Cynthia, je suis enseignante en classe de CP1. Je suis là pour vous présenter une leçon en français comme sous-discipline langage. Nous allons apprendre une leçon en langage de la première journée et je vais vous présenter la première séance. Soyez attentifs. À la fin de la séance, à partir de la présentation et de l'explication du dialogue, l'apprenant doit être capable de saluer en se présentant, de saluer un ami en se présentant. Que faites-vous quand vous vous croisez avec un ami On se salue. Bien, nous allons maintenant prendre notre livre de lecture. Et ouvrir à la page 10. Prenez le livre de lecture, ouvrez à la page 10. Revoyons d'abord la première image. Comment s'appelle la fille qui est debout devant la porte? Elle s'appelle Bedi. Et le monsieur qui est debout devant, c'est le maître. Qu'est-ce que Bédi dit? Bonjour, monsieur. Et que dit le maître? Bonjour, Bélo. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bélo. Bien. Nous allons maintenant observer la deuxième image, l'image de droite. Observez. On observe l'image de droite. Observez veut dire regarder avec attention. Regardez bien parce que je veux vous poser des questions sur ça. Observez. Que voyez-vous sur l'image Que voyez-vous sur l'image Nous voyons deux personnes là. Très bien. Il y a deux personnes. Les personnes là, ce sont des grandes personnes ou des enfants. Ce sont des enfants, les deux, ce sont des garçons ou des filles. Non, il y a une fille et un garçon. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur leur dos? Ils ont porté le sac. Où sont-ils? Ils sont à la maison. Non, ils ne sont pas à la maison. Ils sont dans la rue. Non, ils ne sont pas dans la rue. Où sont-ils alors Ils sont à l'école. À l'école, c'est bien. Ils sont à l'école. Regardez bien. Sont-ils dans la classe Non, ils sont dans la cour. Qu'est-ce qu'ils font dans la cour? Regardez leurs mains. Ils se sont serrés les mains. Pourquoi ils se sont serrés la main droite? C'est pour se saluer. Regardez encore leurs main gauche. Regardez la main gauche de chacun. Comment est la position de la main gauche là? Ils ont tenu la poitrine. Pourquoi ils ont tenu la poitrine? C'est pour se présenter. Très bien. Ils ont tenu la poitrine parce qu'ils se présentent. Regardez. La fille, comment elle s'appelle? La fille s'appelle Atta. Très bien. Elle s'appelle Atta. Et le garçon Le garçon s'appelle uh, Bedi. Regardez un peu plus loin là. Qu'est-ce que vous voyez là, à côté là Il y a une dame qui est debout. Cette dame là, c'est qui Cette dame là, c'est la directrice. C'est madame la directrice, c'est bien elle est devant quoi? madame la directrice est devant le bureau. très bien. donc là nous avons ata et bedi. ils sont là en train de se saluer et de se présenter. très bien. bien, comment s'appellent les deux élèves qui sont debout dans la cour? La fille s'appelle Ata et le garçon Bedi. Bien, suivez maintenant. Je vais vous présenter le dialogue. Dans le dialogue, là, il y a deux personnes qui vont parler. Ata et Bedi. Ata, c'est la fille et Bedi, c'est le garçon. La première personne qui va parler, c'est Ata. Et la deuxième, c'est Bedi. Suivez. Atta dit Je m'appelle Atta. Bedi répond Bonjour Atta, je m'appelle Bedi. Je m'appelle Atta. 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 Bonjour Atta, je m'appelle Bedi. Bien, quels sont les personnages qui parlent dans ce dialogue? Dans ce dialogue, il y a Atta et Bedi qui parlent. Très bien. Pour se présenter, on dit je m'appelle. Pour se présenter, on dit je m'appelle. Repète, je m'appelle. Je m'appelle. Très bien. Qu'est-ce que Ata dit Ata dit je m'appelle Ata. Et que dit Bedi Bonjour Ata. Je m'appelle Bedi. Comment Bédi salue Atta? Et elle dit bonjour Atta. Et comment elle se présente? Il dit je m'appelle Bédi. Très bien, je m'appelle Bédi. Bien, tu viens d'apprendre à saluer et à te présenter. Dis bonjour à ton voisin de classe en te présentant. Au revoir les apprenants et à la prochaine. Merci. Merci.